Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. Bon, ben, tu le laisses. Allons-y. Okay. Ah, je savais. Ça, c'est méchant. Donc là, j'ai l'impression que... Je pense que bon, alors certains, bon ben tu as déjà un chéri, donc on parle que vous allez vous soutenir, vous allez vous aider, et on parle que bon, il y a plutôt une ambiance où pour moi il y a du bonheur qui arrive pour toi et lui, hein, bon. Après, ça peut être aussi qu'un des deux va avoir besoin de l'autre, de présence, de soutien. Hein, donc, on est dans l'aide, le soutien, bon, ce genre de choses. Hein. D'ailleurs, c'est vivement recommandé. Ensuite, attention qui t'aide et qui tu soutiens. Hein, parce que c'est vrai que tout à l'heure, c'était plutôt sympathique. On était dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Et puis, bras, boum, boum, il y a tout qui se casse la gueule. Hein. Donc, attention. Donc, attention qui vient à toi. Qui te demande de l'aide. Qui demande ton soutien. Hein. Donc, fais attention. Hein, parce que... Donc, sentimentalement, attention aussi, tu vois. Parce que là, c'est plutôt un terrain. Si tu aides cette personne, si tu soutiens cette personne, c'est mauvais. D'accord. Donc, c'est plus là, par en courant. C'est plutôt, sauf qui peut, ne l'aide pas. Ne le soutenez. Alors, écoute, hein, si tu es un homme, écoute bien, hein, c'est simple. Hein. Si tu es un homme, ne l'aide pas, ne la soutiens pas. Elle te veut du mal. D'accord? Alors, attention, ça peut être sentimental, ça peut être quelqu'un que tu penses que c'est quelqu'un qui te veut du bien, mais non, non! Cette personne que tu aides ou que tu soutiens, te veut du mal. C'est le diable. Donc, toi, tu vas ou, en tant qu'homme, l'aider, la soutenir, mais elle te veut du mal. Si tu es une femme, tu as quelqu'un proche de toi que tu aides et que tu soutiens, et on te veut du mal. Donc, fais très attention, parce que tout à l'heure, je voyais vraiment le bonheur. Mais là, tu as quelqu'un de proche que tu dois aider et soutenir, mais on te veut du mal. Ok? Donc, fais très attention. Voilà. Fais très attention à toi. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Tu as le diable à côté de toi. Et on parle de l'été. Tu as le diable proche de toi. Fais très attention. Sérieux. Je ne sais pas si tu le sais ou que tu ne le sais pas. Mais tu as le diable à côté de toi. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a même une présence qui te le dit.
quelque chose, une présence, un défunt qui te dit que tu as un être diabolique à côté de toi. Alors soit tu es miro comme pas quatre, ou alors tu veux pas le voir ou tu le sais pas, mais tu as le diable à côté de toi. Et on te dit que tu es, heureusement pour toi, tu as une protection de ce défunt qui te protège. Parce que je te jure que tu as le diable pas loin de toi. Et qu'on te veut du mal. On ne veut pas ton bonheur. D'accord? Bon. Donc là, voilà. Alors, il y a ce truc où c'est si bizarre. C'est, on parle d'une élévation au niveau de la de ta spiritualité. Donc, ça peut être pour toi ou vis-à-vis des autres. Mais j'ai toujours ce truc où on est déçu. Voilà. On est déçu. On est écœuré. Voilà, c'est toujours... on est déçu. Quoi que l'on fasse, on est déçu. Il y a, voyez, au niveau de tout ce qui est harmonieux, voilà, on est déçu. Voilà, c'est toujours la douche froide et déception. Bon, mais heureusement, j'ai l'impression que c'est quelque chose ou qui est fini ou qui est sur le point de... Comme si un dossier se clôturait sur cela, tu vois, les déceptions, etc. Tu vois. On doit beaucoup aussi demander de l'aide. Tu vois, de l'aide à l'univers. On doit beaucoup prier pour que tout ça se clôture, en fait. Ouais. Ouais, on parle que heureusement, on t'entend, ou alors on t'a entendu, on va t'entendre. Hein. Parce que franchement, j'ai comme si tout ça se remettait dans l'ordre, tu vois. Et qu'il y a la chance qui arrive dans ta vie. Donc là, on parle de l'automne. Alors peut-être, je dirais, alors, soit, c'est, parce que j'ai l'impression que c'est passé, tu vois. C'est des choses qui ont dû se passer sur un automne. Déception, déçu. D'accord? Et là, on parle de chance, des choses qui vont s'épurer, tu vois, au niveau de toute cette déception pour toi. Hein? Il y a une harmonie qui revient dans ta vie, tu vois. Mais déception, quoi. Donc, on parle de la lenteur. Il y a quand même un terrain assez lent. Hein? Mais on t'entend. Il y a vraiment la chance qui arrive pour toi. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui doivent être assez longues. Donc c'est peut-être que c'est toi aussi qui ralentit certaines opportunités de vie. Hein? Ça peut être conscient aussi que tu as tellement été déçu en tant qu'homme ou femme que tu n'es pas non plus dans la précipitation des choses. Hein. Parce que bon, c'est clair que quand on a été déçu, on devient plus frileux, hein, plus frileuse. Donc ça peut être, professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être des choses avec de la famille, des amis, mais on est plus frileux. Donc là, on parle de l'homme. Alors, ça peut être des hommes hein, qui passent tout ça. Ça peut être des femmes aussi qui passent ça. Bon, mais il y a quand même un terrain assez lent. C'est lent. Hein, c'est la lenteur. Hein, on prend son temps. Alors après, on a... les contrats, les signatures, ben, pour moi, on a été déçus. Hein, déçus. Donc, on a pu s'ouvrir à certaines choses concernant des contrats.
Alors, sentimentalement, professionnellement, voilà, ça peut être des tas de choses, mais on est déçu. Donc, bon, on parle que, bon, la chance revient, hein, y a de bonnes opportunités, mais on n'est pas forcément pressé. Donc, ça peut être autant sur ta vie pro, ça peut être sur ta vie sentimentale, mais on ne court pas non plus au galop. D'accord? Bon. Donc là, j'ai encore ce fameux médecin. Donc attention, ça peut être des d'ordre professionnel. Hein, que, bon, ça peut être des gens qui travaillent avec les énergies, ce genre de choses. Bon, contrat, machin, ça peut être des alliances professionnelles, mais bon, déception. Déception, machin, tout ce qui concerne, que ça soit la médecine douce, que ça soit des médecins, des généralistes, je sais pas, ça peut être des chirurgiens, tout ce que tu veux, mais on est déçu. Bon, le cœur, franchement, n'y est plus. Je veux dire, on n'y croit plus. Hein, c'est voilà. On n'y croit plus, on n'y croit plus. Alors après, bien sûr, il y a tout ce qui est les jaloux, les jalouses, les envieux. Parce que, ne pas oublier que toi, tu peux être très bien, hein, sous tout rapport. Mais attention, hein, je vais t'expliquer aussi. Hein, parce que des fois, tu as l'impression que tu n'es pas jalouse. Non. Que tu n'es pas une femme jalouse ou que tu n'es pas un homme jaloux, mais peut-être que tu t'en as. Alors soit tu es miro, hein, que tu es miro, que tu as besoin d'aller chez l'ophtalmo, mais tu es jaloux ou jalouse parce que toi aussi tu as des besoins dans ta vie, hein, comme tout le monde. Après c'est normal, tout le monde a ses besoins et ses envies. Mais tu es jalouse et, ou jaloux. Donc, voilà, il faut appeler un chat, tu es jaloux, jalouse, parce que tu as des besoins toi aussi, d'accord? Et peut-être que par rapport à tes envies et tes besoins vis-à-vis des autres, peut-être que les autres, c'est plus harmonieux. Peut-être qu'il y a des personnes qui évolue mieux que toi et tu es jaloux ou jalouse. Tu vas dire que non, mais si, tu l'es en tant qu'homme ou femme. D'accord? Et il y en a, ils te diront, non, c'est pas vrai. Ah non, je suis pas jalouse. Hein. Mais tu dis n'importe quoi. Hein. Mais tu l'es. Parce que, voilà, c'est l'être humain. Il est comme ça. Mais après, il y en a qui sont pires que d'autres. Donc, tu as les petits jaloux à petite dose. Un peu, vous voyez, comme les vaccins, quoi. Donc, tu as les petites doses et tu as les grosses doses. Donc, il y en a, c'est la jalousie, mais elle est modérée. Ils sont pas dangereux. Mais il y en a, ils sont très dangereux pour les autres. Parce que leur jalousie et leur besoin va tellement loin qu'ils sont capables de faire des choses très vilaines, très dangereuses pour leurs propres envies. Et pour leurs propres besoins, pour leurs propres comptes, ça me donne la chair d'ampoule. Donc, vous êtes des gens dangereux et dangereuses pour les autres. J'ai froid. Et quand j'ai froid, c'est pas pour rien. D'accord? Et c'est normal, parce qu'ils veulent que dans leur vie, ça change. Ils veulent de la rapidité et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour y arriver. Alors, tu as les... Parce que dans la vie, il ne faut pas se leurrer, on a tous des envies et on a tous des besoins. Donc, on a tous un peu ce truc, bon, hein, on connaît. Mais il y en a, ils sont très, très dangereux. Donc, il y a ceux... C'est la petite jalousie, mais bon, ils vont rien faire. Puis il y en a qui sont prêts à tout. Quand je vous dis qu'ils sont prêts à tout, ils sont prêts à tout.
Et en plus, on parle de la rapidité. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ces gens-là, là, dans la rapidité aussi, peut-être qu'ils vont avoir de l'abondance, mais ils vont le payer. Parce que dans la vie, tu payes tout. Le problème, c'est que après, quand il leur arrive des grosses merdes dans leur vie, ils vont pas dire « Ah putain, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah putain, j'avais complètement zappé que pour réussir dans ma vie, j'ai fait ça. Ça, ils zappent, tu vois. Mais l'univers, il le zappe pas. Et tu as le retour de karma, un jour ou l'autre. Et dans la rapidité, ça fait mal. Hein. Bon, alors bien sûr, tu as les petits jaloux, les petits joueurs, hein, on va dire. Mais tu as les gros joueurs hein, aussi. Et ils parlent, ils font que ça. Blablabla. Oh ma parole, ils font que ça. Et ils parlent. Hein, de ceux qui ont de la chance dans la vie. D'accord? Et ils parlent en secret. Et ils prient. Attention, parce qu'ils sont malades dans leur tête. Et ils prient que... Parce qu'ils disent en fait que c'est les autres qui bousillent leur vie. Que c'est les autres qui sont jaloux, jalouses, envieux, machin, bidule. Mais pas autant qu'eux, en tout cas. C'est pas... On n'est pas sur les mêmes joueurs. Hein. Mais attention, ce que vous faites, ça va vous revenir dans la gueule, en fait. Votre haine, votre méchanceté, votre jalousie. Parce qu'en plus, vous allez vous confier à des gens. Mais des gens qui, eux aussi... C'est trop rigolo, la vérité. Tu vas parler à des gens qui, eux aussi, ont des envies. D'accord? Comme toi. Vous avez des envies communes. Hein? Alors, comme ça ne marche pas comme vous voulez dans votre vie, ben, vous parlez ensemble hein, de ce que vous voulez faire et tout pour vous attirer de la chance. Mais faites attention, comme vous vous ressemblez et que vous êtes... très dangereux et très dangereuse et que vous êtes les mêmes, la chance ne va pas rester parce que vous allez être jaloux et jalouse entre vous-même. Ça va se retourner dans votre gueule un jour ou l'autre. Parce que vous parlez des autres, entre vous, de la vie des autres et vous critiquez les autres. Mais un jour, ça va vous retourner dans votre gueule. Parce que ce que vous avez été confié, admettons, ce que par exemple Jacqueline a été confiée à Bernadette, un jour, ça va t'arriver à toi. Ça va te retourner dans ta gueule. Parce que vous êtes les mêmes. Et que vous êtes jaloux et jalouse de entre vous. Eh ouais. Et que vous voulez trop de la chance. Trop dans la rapidité. Mais comme vous êtes les mêmes et que vous critiquez des gens, d'accord, critiquez des gens, vous parlez d'eux. Parce que vous êtes jaloux et envieux et envieuse des autres. Hein? Donc, ben, vous parlez ensemble. Mais comme vous êtes exactement les mêmes, vous vous faites confiance en vous. En fait, vous faites confiance à des gens, d'accord, qui trahissent d'autres gens, d'accord, et vous parlez ensemble, et vous êtes tous les mêmes. Donc, forcément, un jour, vous allez vous prendre, toutes ces personnes-là, ben, vont se prendre tout ça dans la gueule un jour ou l'autre. Tout simplement. Bon, alors ensuite, oui, parce que vous n'êtes pas droit, vous n'êtes pas droite, vous n'êtes pas fidèle, vous n'avez aucune loyauté avec les gens. Mais alors attention, ça touche le professionnel, ça touche tout en fait. Ça touche la vie professionnelle, ça touche le sentimental, ça touche tout. Ben, c'est normal qu'un jour, vous reprenez tout dans la gueule.
Je sais pas, moi. Vous réfléchissez. Je sais pas, enfin, il faut réfléchir à qui tu parles, à qui tu te confies. Non, parce que, imagine, tu sais que, admettons, Bernadette, elle critique tout le monde. Que c'est la pire commère qui existe sur Terre. Et toi, toi, bien sûr, bon, comme toi aussi, t'es jalouse, admettons, de Georgette, tu vas aller parler avec Bernadette. Mais vous ressemblez. Vous n'êtes pas digne de confiance. Donc forcément, un jour, tu vous reprenez toutes les deux ben, tout dans la gueule. Parce que vous allez, ça ne va pas le faire entre vous de toute façon. D'accord? Mais ça, c'est à plusieurs, dans tous les domaines. Vous n'êtes pas des gens dignes de confiance. D'accord? Mais ça touche tout. Hein. Professionnel, sentimental. Vous êtes des infidèles. Des gens qui n'ont aucune loyauté, qui n'ont aucun scrupule. Tout ça parce que vous voulez de la chance dans votre vie. Putain, ça me donne froid. Et quand j'ai froid comme ça, c'est pas normal. Vous êtes des infidèles. Et vous allez vous reprendre tout le karma dans la gueule. D'accord? Et alors, il y en a de tout âge. Hein? Alors, il y en a autant des hommes que des femmes. Hein? Il y en a qui sont jeunes, il y en a des moins jeunes, il y en a des très vieux. Vous allez tout vous reprendre dans la gueule. Excusez-moi le mot. Moi, franchement, ça m'écœure. Ah, et alors, vous allez pleurer. Ah, vous allez pleurer. Vous allez ressentir ce que les autres avaient ressenti. Vous allez pleurer. Oh là là, ça va vous faire mal. Vous allez vous sentir comme ce que vous avez fait aux autres, en fait. Dans tous les domaines. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous a trompé, qu'on vous a trahi, hein? Vous allez avoir mal au cœur, vous allez pleurer vos tripes. Ça va faire mal. Moi, je vous le dis. D'accord? Donc, il y en a, ils préfèrent forcément avoir aucun contact. Il s'isole et il se renferme. Ah ben c'est normal. Hein? Bon. C'est normal. Hein? Vous êtes jaloux, jalouse entre vous. C'est normal. Vous voulez aussi... vous voulez ce que vous n'avez pas ou ce qu'ont les autres. Et vous êtes prêt à tout. Pour avoir ce que vous voulez. Dans tous les domaines. En amour, au travail. Eh bien, c'est normal que tu te prennes tout dans la gueule un jour. Hein. Mais forcément, si tu fais du mal aux gens, ben, un jour, ben, ça t'arrive à toi. C'est normal. Hein, c'est de bon augure. Hein, c'est, d'accord? Bon. Hein, après, il faut pas venir... se plaindre, bon, hein, qu'il t'arrive ça dans ta vie. Hein. Tout ça. Et le pire, c'est qu'ils disent qu'ils sont droits. Ah oui, non, attendez. Ils disent qu'ils sont fidèles, qu'ils sont droits, qu'ils sont comme les deux doigts de la main, ces gens-là. Mais dans tous les domaines. En amitié, en amour. Mais c'est des faux. Putain, j'ai jamais vu des fossés comme ça. Non. Oh. Ah, c'est écœurant de voir ce que je vois. Franchement, des fois, je préfère pas le, je préférerais pas le voir. Comme vous êtes fauque. C'est... waouh. Et ils disent, ouais, tu te rends compte, ils ont trop de chance, et tati, viens, on s'allie, comme ça, machin, on démolit ces personnes. Mais vous allez vous le prendre dans la tête. Moi, ça m'écœure. Moi, franchement, et alors, attendez, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ils se soutiennent, vous voyez? Ils cèdent, ils se soutiennent. Pour faire du mal à des gens. Pour avoir la chance, eux, dans leur vie. C'est pas comme ça qu'on a de la chance.
c'est horrible. C'est horrible, mais c'est... My God, ce que je vois. Ah, franchement, des fois, je vous jure, hein, c'est... Il y en a aussi qui... Alors, mais c'est autant des hommes que des femmes. Hein, qui... qui aident, qui soutiennent, admettons. Alors, il y en a... Alors, il y en a au niveau sentimental. Alors, il y en a, ils sont en couple, admettons. Alors, admettons, le mari. Le mari, admettons, genre, il est là à la maison. Il soutient sa femme, machin, bidule. Mais ça tient sur... leur équilibre est fondé sur l'immobilier et le financier. Elle, par exemple... Elle est là du genre, ouais, je te soutiens, tout ça. Mais leur équilibre est basé également. Bon, leur couple est basé sur l'argent, machin, bidule. Bon. Mais le problème, attendez, c'est pas fini. C'est que ni lui ni elle sont fidèles. Ni à un, ni à l'autre. D'accord. Alors lui, il peut aller parler en secret à quelqu'un d'autre, du bonheur et de la chance, bon genre, qu'elle est là, elle l'aide, elle le soutient, elle aussi, attendez, c'est pas fini, mais après, lui, il doit aller parler aussi du fait qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie qui est là, qu'elle est là, qu'elle le comprend et qu'elle le soutient, machin, bidule, mais elle... Elle a un amant et elle doit aller parler aussi de son amant. Qu'il est là, qu'il aide, qu'il la soutient. Mais ils se mentent tous, en fait. Bon. En tous les cas. Bon, il peut y avoir aussi des différences d'âge, etc. C'est une horreur, hein, franchement. Bon, ensuite, on a les familles. Alors, on a, admettons, la famille à lui. Alors, ça peut être sa mère. Donc, dans sa famille, pour moi, c'est une famille qui a réussi. Une famille qui a de l'argent. Bon, elle qui est avec lui, bon, je pense qu'elle n'est pas pauvre. Donc, elle est là, elle l'aide, elle le soutient, machin, bidule. Sauf que... Tout le monde trompe tout le monde. Donc pour moi, voilà, hein, c'est bonjour, hein, c'est waouh. Alors, ensuite. Alors là, peut-être qu'il y a un problème quand même. Besoin d'un petit coup de main financier. Ou de lui ou d'elle. Et peut-être, je dis ça, je dis rien. Du coup, il y a des retards pour aller avec l'amant ou la maîtresse. Hein. Bon, peut-être un petit coup de starter, tu vois. Et que peut-être qu'on a accepté une invitation, une rencontre avec quelqu'un. Mais du coup, parle quand même de la trahison... et de la tromperie ou de l'homme ou de la femme. Ça peut être les deux. D'accord. En tout cas, franchement, il y a des hommes et des femmes. Bon, je les vois dans des énergies où on s'ouvre, mais on a envie d'être avec quelqu'un, mais on n'avance pas trop. C'est pas l'envie qui manque, mais non. C'est pas l'envie qui manque à certains hommes et femmes, hein. Mais il y en a tellement déçus que je les vois pas avancer. Par contre, là, ça pue de l'autre côté.
Bon, ça pue. Mais c'est quand je vous dis que ça pue grave, c'est pas bon. Alors ensuite, on a quoi? Bon, alors là, bon, ben, il y en a. Bon, ben, je vous dis. Alors attendez, il y a aussi ceux qui ont dû avoir des passions, la fougue, machin, bidule, tu la désires, il te désire, nous désirons, vous désirez, le pognon au milieu, machin, bim bam boum, bon, tout va bien. Et d'un coup, gring grand, le lien se casse. Le lien se casse entre lui et elle. D'accord, bon, ça ne va plus du tout entre eux. Donc, tout se casse la gueule entre lui et elle. Bon, alors il y a cela. Alors, pour ceux que ça se casse la gueule, bon, ben, on dit qu'il va falloir, même s'il y a encore un attachement, vous décidez, quoi. Hein, parce que, bon, je sais pas combien de temps vous allez rester comme ça. Donc, voilà, le lien est mort, le lien est cassé. Il va falloir envisager de prendre ta valise, ou l'homme ou la femme, et bon, ben, de faire ta vie. Après, il y a ceux qui sont super, l'envie ne manque pas, mais ils n'arrivent pas à aller sur une rencontre. Bon, alors là aussi, les questions, à un moment donné, de ne pas rester sur des choses du passé, et que, bon, il va falloir arriver à sortir de chez toi pour aller sur une rencontre. D'accord, bon. C'est les carrefours, quoi, hein, voilà, les carrefours de vie où il faut faire des choix, hein, bon. Attention aussi si par exemple d'un coup tu vois que parce qu'il y en a ils sont en couple mais ils ont l'amant ou la maîtresse et si par exemple d'un coup tu vois que ça allait plus du tout avec lui ou elle et puis que d'un coup tu te réconcilies tu vois comme par magie alors que c'était l'écroulement et que tu es là à l'aider ou à l'aider, machin, c'est pas normal. Il y a ce truc d'envoûtement qui n'est pas normal. D'accord. Attention. Hein. Et bon, alors il y a l'amant, la maîtresse pour certains. Attention, si jamais tu vois que d'un coup tu te réconcilies avec lui et que d'un coup c'est le bonheur et que c'est pas normal. C'est que on t'a fait quelque chose un peu contre ta volonté. Attention. Alors bien sûr, après on a les rivales. Alors on a des hommes rivaux. Donc moi je vous dis que c'est des couples, mais que elle a un amant. Et lui, il a une maîtresse. Voilà. Et que c'est ça pue. Voilà. Ça pue dans. Voilà. Alors, attendez, hein, parce que c'est pas fini. Hein. C'est que du coup, bah, tout, bah, les rivaux, que ça soit les hommes ou les femmes, bah, ils sont très malheureux. Hein. Ah, forcément. Hein, ils vont pas bien. Hein, ils vont pas bien. Hein, et, voilà, hein, parce qu'ils sont au milieu, machin. C'est long. Et qu'il y a autant des hommes rivaux. Alors, ils sont jaloux de l'homme parce que l'homme, il veut être avec la femme du bonhomme. Et puis, la femme, ben, elle veut être avec le bonhomme qui est en couple. Ça pue. Bon. Parce qu'il y en a, ils sont, ben, les rivaux, ils sont célibes. Et les autres, ils sont en couple. Ah ben, oui.
vous comprenez, hein, c'est complexe. Alors ceux qui ont tellement peur parce qu'ils ont été déçus, ben eux, ils se disent, bon, je vais attendre un peu. Je ne suis pas apprécié, en fait. Ouais, bon, c'est vrai que j'ai envie d'être aimé. C'est vrai que, bon, voilà, hein, je suis un homme, je suis un être humain, la femme aussi. Il n'y a pas, je sais pas, il y a ce truc où je vais attendre encore un peu, je ne suis pas apprécié. Ouais, je vais attendre encore. J'ai le temps, en fait. Hein, je suis pas... Ça va, quoi. Ça va. Hein. Ouais, ça va, ça va, ça va. Hein, bon. Ça va. Parce que il y en a, ils ont souffert. Bon, ils ont souffert dans des relations. Ça peut être parce que ça était de la violence conjugale. Ou alors on ne s'entendait pas. Bon, du coup, on a tellement été déçus que on se dit, oh, après tout, enfin, ça va. Ça va. Oh, je ne vais pas non plus. Oh, je ne vais pas non plus me précipiter. Bon, voilà, ça va. Ils ont peur. Ah, parce qu'en plus, il y a des liens karmiques assez déchirants et tout. Bon, du coup, bon, ça va. Ça va. Mais bon, quand même, l'ange te dit qu'à un moment donné, ça va, ça va. Oui, ça va. Mais bon, tu vas pas rester comme ça toute ta vie, voilà, sur le passé, ça va, quoi. Et qu'à un moment donné, il va falloir arriver à sortir de chez toi un peu, hein, bon. Après, bon, il y a ceux aussi, donc, ouais, il y en a, ils ont peur, hein, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, hein, c'est... Alors, attendez... Alors, attendez, il y en a d'autres. Oh, putain. Alors, je te parlais qu'il y en a, ils sont en couple. Alors, l'homme, il a quelqu'un. La femme, elle a quelqu'un. Bon. Alors, bon. Au niveau des rivalités, bon, laisse tomber. Alors, en plus, attends. On peut se poser la question, non, parce qu'il y a le pognon, la maison, l'appart, machin. Bon, il se dit, au niveau de l'homme, elle, admettons, ouais, mais bon. Ouais, je l'aime bien, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'entre lui et. C'est pas mal entre nous, hein, mais bon, après. Il a moins de pognon. Ouais, il a moins d'argent, il a moins de pognon, hein. C'est moins intéressant, hein, que mon compagnon ou mon mari, hein, bon. Et ce genre de choses. Mais après, bon, il y a aussi de la femme et tout, mais bon, la femme, pour le moment, on m'en parle pas. Après, on a les amis. Alors, attendez. Nous avons elle, là, la femme qui est en couple. Elle a des amis. Ouais, alors elle a des amis et elle parle. Elle parle par rapport à la maîtresse. Et elle dit que elle a pas trop envie de laisser filer ce monsieur. Hein? Bon, elle a pas trop envie de laisser filer ce monsieur. Donc, elle se dit, bon, peut-être que je vais essayer de me réconcilier avec lui. Hein? Mais c'est pas saine la façon de le faire. Moi, j'ai ce truc de où... C'est où de l'envoûtement, de la magie. Après, attention, j'ai aussi, donc elle a des amis. Elle, lui, il a des amis aussi. Alors, homme, femme. Ah, de toute façon, tous les deux ont des amis et ils parlent, machin, de leur vie. Bon, alors lui, elle doit parler de son couple. Lui, il doit parler de son couple. Mais non seulement de la maîtresse, mais elle, elle fait pareil, elle parle de son couple, mais de son amant qui est moins intéressant financièrement. Bon, et que... après, tu as aussi des amis. Des amis qui donnent... Genre, ouais, bon, écoute, hein, à elle. Ouais, bon, écoute, essaye de te réconcilier avec lui.
Ah ouais, là, 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 ça pue. Alors, essaye de te réconcilier avec lui. Essaye d'être plus présente pour lui. Ouais. Essaye de plus le soutenir. Tu vois? Parce que bon, tu vas perdre ce que tu as. Tu vois? Lui, il parle donc aussi à des amis parce que bon, il doit détester l'amant. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas franc. Hein. Il y a quand même un manque de franchise hein, dans tout ça. Seulement, le problème, c'est qu'il y en a, ils sentent tout ça. Hein, le vent qui, ça pue, le vent qui tourne. Alors, après, nous avons autre chose qui arrive. On a le parcours de flammes jumelles. Et que le problème, c'est que même si on parle, bon, de couple, elle parle de son couple, elle parle par rapport à l'autre femme, après, en plus, elle a quelqu'un, mais bon, enfin, bref. Mais le problème, c'est qu'au milieu, il y a des flammes jumelles. Ouais. Alors, attendez. Et que, bon, alors, attendez. C'est que le problème, c'est que quand tu es flamme, même si, admettons, on sent les choses, vous voyez, les connexions, hein, on le sent, on va sentir que il y a des trucs qui bloquent, tu vois, on va le sentir. Alors, le mari en couple, ben, pour moi, 5 minutes, hein, 5 minutes, excusez-moi. Vous savez qu'elle me prend tout le temps pour une idiote. Hein? Donc, parce qu'elle a, elle a voix pour entrer. Et quand vous lui ouvrez la porte, elle ne rentre pas. Ah, c'est un sketch, non? Bon, là, je vais fermer. Hein, et vous allez voir. Bon, nous reprenons. Mais le souci, c'est que toi, en tant que flamme jumelle, tu vas ressentir que elle a une maîtresse, que elle a un amant. D'accord? Toi, tu vas le sentir. Tu vois? Bon, et en fait, tout le monde sent qu'il y a quelque chose. Tu vois? Voilà. Moi, voilà. On sent. Tu vois? Parce que toi, si tu es la flamme jumelle au monsieur en couple. Bon, ben, flamme jumelle, c'est flamme jumelle. Hein? Bon. Mais après, comme il y a elle qui est en couple, ça peut être même elle aussi sa flamme. Vous voyez? Mais c'est comme si on ne voulait pas laisser. Voilà. Hein? Ça lâche pas, quoi. Alors. Il y en a certains même qui ont ou qui vont partir en congé, ce genre de choses, un peu se reposer, etc. Bon. De toute façon, je vois ce monsieur âgé. Pour moi, il est décédé. Il est décédé. Après, je vois cet homme. Je vois un homme qui il a plus de 40 ans. Bon, après, je vois cet homme décédé qui peut protéger ce monsieur. Après, attention, ça, il peut avoir son papa aussi, hein, à lui. Bon, de toute façon. Moi, j'ai des grosses violences. Hein. Des liens karmiques brisés. Alors là.
Donc là, tout à l'heure, donc là, j'avais, attendez, parce que je vois des signes, plein des signes. C'est plutôt le feu, vous voyez, bon, tout ça. Bon, on reviendra après, bon. On y reviendra après. Hein. J'ai l'air, j'ai le feu, j'ai la terre, bon, j'ai l'eau, bon. Donc on va revenir. Hein. Je fais des petits tas, hein, tout ça. Mais bon, moi, attendez. Hein. Moi, j'ai des gens vraiment très mal attentionnés, en fait, sur des personnes. C'est clair et net. Hein, bon. Attendez. Hein. Voilà. Manipulation, mauvaise pensée. On manipule les gens, un peu comme des... voilà. Hein, comme des... des panthées et puis des panthines, hein. Bon. Là, ils font le sinoche. Hein. Bon. Ne bougez pas. Voilà. Ne bougez pas. Là, ils sont très sournois. Très sournois, très sournois. Ils sont vicieux. C'est le truc, c'est l'horreur, quoi. Alors, on y va. Alors, ne bougez pas. Donc là, je vous ai, j'ai envoyé bon, des choses qui s'ouvrent. Et c'est vrai qu'on est déçu sentimentalement. Bon. Donc, soit il y a des choses, des hommes et des femmes, des trucs magnétiques, bon, où, ça s'attire, machin. Mais moi, j'ai l'impression que... alors, il y en a certains, ils ont souffert dans des relations, des crises conjugales, des coups, des machins, rien. Bon. Et qu'ils préfèrent laisser attendre un peu. Après, il y en a, ils sont encore ensemble. Et c'est clash sur clash sur clash. Mais ils peuvent avoir des idées déjà de se mettre avec quelqu'un d'autre. Mais pour pouvoir aller sur une autre relation, évidemment, il faut arrêter l'ancienne. Ah, ou alors, si vous êtes séparés, arrivez vraiment à se libérer d'une emprise. Du diable. Parce que moi, j'ai le diable. Là. Donc, bon. Donc, arrivez, en tout cas, à sortir des griffes du diable. Bon. D'accord. Mais le diable ne lâche pas facilement. Hein? Tu as même le diable qui peut te ponctionner du pognon. Hein, et que tu penses qu'on va te lâcher après. Mais attention, parce que le diable reste le diable. Autant sur de la féminité que de la masculinité. Hein, ne pas oublier que un diable, ça reste un diable. Donc ensuite, on a les signes du feu. Et puis, on a les signes d'air. Bon. Alors attention, parce que moi, je vois que près, il y a le feu, il y a l'air, mais il y a de l'autre côté, il y a le diable, hein, sur le côté sentimental. Hein, et que on va vouloir zapper quelque chose, ou tourner une page, on va se laisser guider, mais moi... ça peut être autant du côté de l'homme que de la femme. Je vois que de gros soucis. Hein, de gros soucis par rapport à des liens karmiques brisés. Hein. Et bon, ben, j'ai autant la rivalité féminine que masculine.
Mais le problème, c'est que d'un côté, tu as l'ange, mais de l'autre côté, tu as le diable. Alors, à un moment donné, il faut choisir. Hein? Bon. Donc, ensuite, on a le jeune homme. Alors, ça peut être le jeune homme. Après, ça peut être des enfants. Mais en tout cas, on est sur de la manipulation. Manipulation, les attachements, le domicile. Bon. Ah, bon. Alors, attendez, parce qu'il y a l'homme qui a plus de 30 ans, 30, 40. Après, tu as ceux aussi, 18, 30. Ah, bon. Mais que ça soit les hommes ou les femmes, il y en a qui ne sont pas sincères. Mais le problème, c'est que les anges terrestres vont se libérer de l'emprise des diables. Ils vont faire des choix. J'ai également des personnes qui vont donner des nouvelles concernant procès, ouais, procès, une procédure, des procès. Et attention qu'il y en a qui risquent de soudoyer des avocats, des juges ou d'essayer de faire basculer des gens d'un côté, de l'autre. Bon, ce genre de choses. Bon. Alors ensuite, nous avons quoi? Nous avons aussi, alors je vous parlais, hein, je vous ai dit, il y avait l'air, il y avait le feu. Bon, je vous ai expliqué que déjà, eux, il y aura des décisions et des choix à prendre. Bon, alors ensuite, nous avons aussi, alors tout ce qui est les infidélités. Les choses que l'on cache, où on parle aux amis, machin, bidule, bon. Et là, après, on a des signes d'eau. Des signes d'eau qui sont concernés dans toutes ces infidélités. Et il peut y avoir certaines personnes qui peuvent dire, écoute, essaye de te réconcilier avec lui ou avec elle, prends une décision tranchante, il va le falloir, etc., etc. Mais après, on parle aussi de pensées négatives que on va avoir. Hein. Alors, on peut avoir certaines pensées négatives aussi concernant des amis, tu vois. Parce que moi, j'ai ce truc d'un déménagement qui va arriver. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui veut déménager. Alors ensuite, nous avons quoi? Alors, nous avons, bon, alors ces couples, bien sûr, où il y a des, en plus, ils sont en couple, mais il y a des parcours flammes jumelles. Et, bon, on est un peu entre les deux. Hein, on parle que c'est un peu les deux, l'écroulement, machin, bidule. Alors, ensuite, j'ai le couple. Mais le problème, d'accord, tu es en couple avec cet homme ou cette femme. Mais, au milieu de ça, il y a la flamme. Tu vois, la flamme jumelle. Et que il va falloir de toute façon tourner une page. Et pour moi, c'est pas sur la flamme qu'on tourne la page. Pour moi, on choisit sa flamme. Parce que moi, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Bon. Ensuite, j'ai quoi? Alors, attention. Hein. Après, on peut faire aussi un genre de travail. Faire un genre de travail. Du style, oui, il est malade. Ou, ouais, je suis malade. J'ai ci, j'ai ça. Tu vois. Bon, après, c'est possible que ça soit vrai. Hein. Mais c'est pour retenir quelqu'un. Tu vois. On fait un travail pour tenir à la maison l'homme ou la femme. Tu vois. Bon. Parce que, bien sûr, on ressent que il y a la femme ou il y a l'homme dans certains cas. D'accord? Et là, on a la terre. Hein? On a la terre. Et que il y en a. Il y a. Pour moi, j'ai des hommes qui réussissent super bien. Et que on n'a pas envie que monsieur aille avec sa flamme. Dans certains cas. Mais le pire, c'est que elle a quelqu'un. Mais c'est moins intéressant. D'accord? Bon.
Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.